Ah, tu viens? Eh, c'est joli, hein. T'as toujours pas l'air serein, toi. Oui, bon, bah. Apparemment, on l'appelle Murat le Bleu, parce que les toits sont en lauze bleue. Ah bon? C'est joli, hein. Alors, il faut savoir que l'église a brûlé en 1828, ouais. Donc ils l'ont refaite après, donc à mon avis, depuis 1848, voire 50, ça n'a pas changé. Tu vois, on va rentrer à l'intérieur, je vais te faire goûter une spécialité locale. Tu vois, ça c'est une spécialité locale, ça. Le cornet de Murat. Puis ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment une spécialité culturelle parce que tu vois la forme là. Elle a un peu une forme de corne de vache en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça le cornet. Et puis surtout, tu peux mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur. Hein. Parce que là, bon, là c'est de la chantilly, mais il y en a qui les font saler. Puis il y a toute une fête du cornet en septembre d'ailleurs avec. Enfin, c'est pour te dire que c'est beau être une pâtisserie, c'est quand même une pâtisserie vraiment culturelle. Hein. T'en penses quoi? Ah ouais, ouais. Culturelle, carrément, ouais.